Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 17ème épisode de notre Let's Play sur Mario Galaxy 2 sur Wii. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. On se retrouve comme d'habitude sur le vaisseau Mario. Et la dernière fois, nous avons affronté Bowser pour la deuxième fois dans sa forteresse errante du monde 4 avant de partir vers le 5ème monde, de récupérer deux étoiles au satellite survolté ainsi que les deux étoiles du château dessus-dessous. Et aujourd'hui, on va continuer les diverses galaxies qui s'offrent à nous dans ce monde 5, en essayant de récupérer un maximum d'étoiles, enfin, de tout ce qu'on peut trouver, histoire de progresser un maximum. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez aussi aller m'envoyer les fails avec les hashtags Adoni, hashtag Epique PIC, et hashtag fail et faillel, plus ce moment exact, vous pouvez voir où j'étais à la combine, et bien sans plus tarder, on retourne dans l'espace. Donc, on n'a plus rien à faire ici, donc il nous reste... À la limite, celle-là, il n'y avait qu'une seule étoile, on va partir vers le magma glacé. Plutôt qu'à faire, attendez, vous savez quoi? Juste pour avoir ça d'ouvert. Là, si on veut, on peut déjà retourner voir Bowser Junior, mais on a encore quelques galaxies à faire avant. Ça s'appelle comment? Fort foudroyant, non. On a encore 4 galaxies à faire. Donc, pas tout de suite. Magma glacé. Alors, il y a probablement une étoile cachée dans celui-là. Le prince Poulba brise la glace. C'est comme le joueur de l'équipe de France, Paul Poulba. Ah, y'a une ressemblance, hein! Allez, on va essayer d'en récupérer un max sans bouger. Ça me rappelle une galaxie de galaxies, hein, ça. Ça me rappelle plus précisément la galaxie sur laquelle j'ai terminé le let's play. Genre, c'est sur cette galaxie-là, je crois que mon souvenir. Que j'avais obtenu la 120ème étoile. Bon, on va essayer quand même essayer de trouver l'étoile cachée sur le chemin, ce serait cool, saloperie. What? Ok. Non, non. J'ai surtout besoin de la pièce, là. Give me the money. Ok. On va essayer de récupérer un max de trucs. Voilà, je vais faire ça. C'est parti. Saloperie. Non, tu ne mourras pas, Mario. Plus rap. Wait. Oh, attends, il y a un tuyau là-bas. Arrête de spammer, monsieur. Ok. Qu'est-ce qu'il y a si je vais dans le tuyau? Hey, salut, copain! Oh, yo, man, c'est moi, tu te souviens? J'ai inventé un nouveau jeu de patinage, trop délire, parole! Fonce dans autant de pâte à verre et pâte à d'or que tu peux. Mais fais gaffe aux pâtes à pique, mon pote. Vas-y. Et si tu réussis à faire 600 points en plus, je te donne cette étoile. Parole, man. Ok, va falloir se concentrer, parce que la dernière fois j'ai dit c'était facile, et on a à peine fait plus de 500. Ok. Ok, on se concentre. Hop, hop. 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 Hop, hop. Je prends ça, merci. Oh, vite. C'est bon, 610. 620, c'est bon. J'ai fait le minimum syndical. J'ai assuré. Impressionnant, man, t'as fait 620 points. T'as même battu mon record, respect, mon pote. T'es un adversaire digne de Snow pour le grand Billy Banane. Une telle maîtrise, ça mérite bien une étoile. Oh yeah! Ça, c'est la classe. Tintin, tatatatin, tatatatin, tatatam. Encore une fois, c'est la classe! Bon, bah l'étoile cachée, c'est réglé. Maintenant, on s'occupe de l'étoile pas cachée, donc le prince Paul Pogba. Pas de nouvelle comète.
Spanky. Allez, on y retourne. Je vais laisser la cinématique juste pour avoir des fragments d'étoiles. Parce que bon, avec un Gwen Frulouma qui va pas tarder à popper, et qui va pas tarder à se pointer sur notre vaisseau, on va en perdre un bon petit paquet. Ça, je passe pas. Ah, tu veux prendre le relais, Luigi? Eh ben écoute, si Luigi veut prendre le relais, Luigi va prendre le relais, pas de soucis. Mais ouais, vas-y. Je viens de battre Billy Banane. Je vais me reposer, je vais manger des spaghettis. Spaghetti! Voilà, pas mal là. Couché. On va essayer un truc. Je vais essayer d'aller d'une fleur nuage à l'autre. Attends. Non, c'était juste une pièce en fait. Hop, ça j'arrive pas. Ah! Fucking! J'allais dire la transformation, elle a mis du temps à venir. Forcément, à force de jouer au kéké comme ça, hein. Ça veut dire que ça me pendait au nez. Ça me pendait au nez plutôt. Ah, mais je vais réessayer. Je persiste ici, rien à foutre. C'est possible. Tiens, regardez. En nuage, on est plus léger. Hop. Là, je prends ça et je fonce. Allez, on y va. Vas-y Luigi, montre-nous comment t'es un... Comment t'es un bon au patinage, t'es un vrai. Donc on doit pas voir Billy Banane. Allez. C'est parti. Ah, attends. La médaille comète, elle serait pas dans cette zone. C'est une tronche de zone de médaille comète en tout cas. Saloperie. Wow, nice. Ah oui, je la vois là, mais elle est... Non, c'est une pièce. Je vois rien, c'est une pièce, connard. Oh, c'était beau. Une vie. Ah bah, elle est là, un peu plus loin. Je vous avais dit que ça ressemblait à une zone de médaille comète. Voilà, ça c'est récupéré. Allez, on va aller voir Paul Pogba. De vue, c'est tellement la classe. Allez, on fonce. Oh! Ah, c'est bon, ça pouvait pas marcher à tous les coups. Hein. Ah, mais c'était tellement beau. Vous allez vous calmer là, les Paul Pogba, hein. Bon. Voilà. Hop. Voilà. Nice. J'aurais juste aimé éviter perdre mon champi à 6, mais bon, ça c'est pas... Ça devrait être gérable à 3 quand même. Ah bah attends. Non, je vais garder mes fragments d'étoiles. Hé, hey, Paul Pogba! Comment que ça va? De toute façon, c'est comme avec les poulpes, hein, il faut renvoyer, voilà. Il faut renvoyer les trucs verts. Maintenant, tu auras probablement une partie de tennis à partir de cette phase. Ok, il y a un vert dans le tas, faut faire gaffe. Là-bas. Hop. Non, c'est bon. Il a pas l'air de le renvoyer. Mais il a l'air un petit peu en colère. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez. Ça
Voilà. Écoute, tu veux jouer au con ? T'as perdu. Allez. Et voilà le travail. Et encore une galaxie à laquelle on reviendra que quand il y aura une comète. Whoop. Nice, 74 étoiles, 31 médailles de comète, un petit paquet de fragments d'étoiles, et un petit paquet de pièces aussi. Oh punaise! Fallait bien qu'elle arrive à un moment donné. Fallait bien qu'elle arrive... Oh! Donc les 50 fragments d'étoiles, merci. Bon! Les blocs tactiques en vitesse x2, ça va, c'est parti, on va rigoler. Oh, ça, on va rigoler. Eh ben, on va aller faire ça tout de suite. Après, je pense qu'on ira voir le goinfre Luma. Oh, il y a une comète ici aussi. On m'a même pas prévenu. Bon, bah, dans ce cas, nous avons deux comètes à faire. Autant pour moi. On commence par la plus difficile, les blocs tactiques. Parce qu'il va me falloir une sacrée tactique, hein. Souvenez-vous, déjà, la première fois, comme c'était un peu galère, elle a imaginé tout ça en vitesse x2. Voilà, vous avez un aperçu de ce que je vais devoir faire. Ah, ça va être la mort du fun. On va essayer de récupérer un max de fragments. Donc en plus, je peux pas utiliser de repères auditifs. Parce que j'ai le léger décalage fourni par ma carte de capture. Je vous avais dit... Oh, il nous file un Yoshi. C'est même trop généreux un Yoshi, je trouve. Yoshi plus checkpoint dans une comète. Non. Finalement, c'est peut-être pas trop généreux en fait. Hein. Donc, en plus, maintenant je suis derrière. Alors, je vais pas retourner en arrière. Ça voilà, je peux faire des. Je vais fermer ma gueule. Voilà, hein. Je disais en fait, je peux temporiser avec un tournoiement. Concrètement, saut plus tournoiement, ça fait deux battements. Comme ça que je le compte. Genre si je me mets là et que je saute plus tournoiement, bah j'atterris ici. Hop. 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 Voilà. Comme ça. Ok. J'ai une nouvelle chance avec Yoshi. Ok. Finalement, c'est peut-être pas trop gentil de nous donner un Yoshi, hein. C'est même une bonne chose. Allez. Bon. Se contenter de... Bon, j'y arrive pas avec Yoshi. Attends, c'est con, hein. Je suis le premier à dire qu'il faut sauver Yoshi, que quand on peut le faire, on joue avec lui. Mais là, j'arrive pas à me calquer sur le rythme. Ok, j'ai été trop rapide, là, sur le coup. J'ai été trop rapide. J'ai voulu foncer dans le tas. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ok. Voilà. On va se mettre ici. Et maintenant, il faut que je prenne un timing différent des plateformes vertes. En plus, je crois que les étoiles, elles sont sur des plateformes où il y a le battement, donc... Hop, voilà, ici. On va attendre... Ok. J'en ai 4. 5. Et je crois qu'après les battements s'arrêtent. C'est comme dans la galaxie de base.
J'aurais remonté sur les plateformes vertes. On vérifie. Ouais, c'est bon. Les battements s'arrêtent. Ok, j'ai plus de timing. Je prends la vie parce qu'elle est gratuite. Et... Je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit qu'on se marrerait avec cette comète. Du coup, avec ça, ça fait monde 1, 2 et 3 terminés sans les étoiles vertes. Il reste encore 45 étoiles à récupérer. Bon, ça inclut aussi le monde S. Hein, donc... Ok, donc j'ai toujours deux comètes à faire. Je vais passer à la plage astrale d'abord. Si c'est comme dans mes souvenirs, c'est pas des pièces violettes avec Yoshi. Donc si je vérifie, monde 3, ouais c'est bon. Donc monde 4, il resterait donc le mont Mielleux plus la forteresse féroce de Bowser. Mais bon, nous, on va aller à la plage astrale. Hein, je sais même pas si on pourrait inviter le goinfre. Oh, remarquez, selon la coopérativité des comètes, on a peut-être une chance d'arriver à faire quelque chose. Je dis bien peut-être. Bronzette et pièce violette. En plus, je crois que c'est en temps très très limité, donc il va falloir faire extrêmement vite. Genre, je sais pas, une minute trente. 35 secondes. Ok, donc j'ai 100 sur 140, ça va, c'est pas totalement ingérable. C'est bon, easy. C'est bon, elle a coopéré celle-là. Ça va, j'en ai 115 sur 140. Non, non. Celle-là, j'ai pas dû mettre plus de 40 secondes pour la choper. Ça devait rester genre 5 secondes au chrono le temps que je la chope. Ouais, 40 secondes, je pense. 46-58, autant pour moi. Mais ça va, au moins ça le mérite. Eh, ça le mérite d'être une comète qui se fait en 3 secondes. Hein. Bon, bah, on va faire la comète du magma glacé. Parce que du coup, en comète du monde 4, qu'est-ce qui nous manque? Ok, mont Mielleux et Bowser. Ouais, de toute façon, il y a les symboles. 1, 2, 3, on aura pu y revenir. Allez, monde 5, on va aller faire la comète du magma glacé. Sachant qu'on a toujours pas donc non plus la comète ici, au château au-dessus-dessous. Ainsi qu'au satellite survolté. Alors, c'est même pas garanti qu'il y ait une comète au niveau du château de dessus-dessous. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire ici? Je me souviens plus. Mêlée. Ok. Mêlée! On va avoir des... Ok. Étoiles et on va avoir une trentaine de saloperies à tataner. Il va falloir qu'on fasse très vite, je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et qu'en plus de ça, on n'atterrit même pas sur la planète pour commencer. On a 30 ou 60 secondes. 50. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on en a 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même déjà 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok. La moitié après la moitié du temps, c'est pas mal du tout. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20. Ça devrait pas poser trop de problèmes, il en reste juste deux. Bah voilà, parfait. Hein. Voilà. Voilà. Ah, je pensais pouvoir la récupérer en étoile, mais bon, allez hop. Ah, celle-là, je dirais 1 minute 10. Le temps d'y arriver, avec le petit fail et tout. Ouais, 1 minute 10, ça me paraît pas mal. J'aime quand ça va aussi vite que ça. 56-60. Nice. 77 étoiles. Ok, pas de nouvelles comètes.
Oh, un problème. Oh, Maïtienne, tu as 77 étoiles. T'en as de la veine, mon gars. D'accord, on a un fétichiste du chiffre 7. Hein. Bon, coup magma glacé, c'est bon. Donc il nous reste les deux là. Mais d'abord, je vais inviter le goinfre Luma à bord. Hein, mon petit. Tiens, on dirait bien que t'as trouvé un goinfre Luma. Il porte bien son nom. Prépare du fragment d'étoile. Allez, une de mes voix préférées. Et toi, mon copain, tu as des fragments d'étoiles pour moi? J'ai faim! Je veux des fragments d'étoiles. Si on a 20 500, je me transforme. Allez, fais. Oh. Oh, voilà, je suis repu. Attention les yeux. Transformation! J'adore faire cette voix. J'adore faire cette voix. Elle est toute petite et toute mignonne. Alors, qu'est-ce que ce sera? Wow! Ça, c'est une transformation hein, où je m'y connais pas. Bon. Eh ben, on va aller faire un tour dans cette galaxie. Bon, faut se dire, j'ai gardé les deux galaxies. Celle-là, c'est la galaxie que j'aime le moins dans le monde 5, c'est pour ça que je la garde en dernier. Oui, tout de suite, hein. Au prochain épisode, une fois qu'on aura fait ça... Oh, Araplane extrême, ça, on va rigoler. Prochain épisode, je vous le dis tout de suite, on commence par le petit bout de lune. Mais bon, on va faire l'Araplane extrême. Et le temps qu'on se lance vers la galaxie, moi, je vais vous dire à votre santé, parce que ouaf, ouaf. Ça passe ou ça croasse. Pas mal, pas mal. Donc on fait de l'Araplane là-dessus. Ah, c'est inattendu. Est-ce qu'on peut survivre? Je pense qu'il y a encore 5 portes à traverser pour la médaille comète. Yes. Araplane dit que tu es un chic type. Chic type, chic type. Il aimerait bien planer avec toi. Garde, tu veux planer avec Araplane? Yes. Il faut traverser le portail en forme de soleil pour gagner. Gagner, gagner. Mais c'est dur. Yark, yark. Ah oui, non, c'est... faut le tenir à l'horizontale. Oh, des blargues, sur le côté. Ok. Il faut pas qu'on oublie la médaille comète sur le chemin. Ok, une. Ça va vite devenir badass, je crois. Ok. En espérant ne pas avoir loupé de porte pour la médaille comète. J'espère que celle-là, c'est pas la numéro 3, par exemple. 2. Avec des bilballes, ok. Enfin, des bilbourrins, plutôt. Des gros bilballes. Ok, porte numéro 3. De toute façon, je me concentre surtout sur la survie. 4. Ouais, je crois que j'ai loupé une porte, hein. Ouais, j'ai loupé une porte, bon. Non, non, je me suicider. Voilà. J'ai loupé la porte numéro 2 quelque part. Et avant qu'on dise fail, c'était fait exprès. Hein. Parce que justement, j'ai vu que je pouvais pas avoir la médaille comète, donc... je vais me redonner une autre chance. Va falloir que je surveille la porte numéro 2. Ok, j'ai passé par le bas... Je vais suivre ces fragments d'étoiles là. Ah, elle est là, la porte numéro 2. C'est bon. On me rassure, ça me l'a compté. Bah, je crois qu'on va très vite le savoir quand je franchirai la prochaine porte. Hein. Si ça met 2. Si ça met 2, ça va. Attends. Voilà. Dis-moi que ça met 3. Mais. Il y avait la porte 2, tête de Zboob. Ok, donc va falloir ajuster un peu mieux que ça. De toute façon, je continue à faire ça tant que je n'ai pas la médaille comète. La médaille comète, faut les 5. Et donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de comète ici, on va me rappeler pour une course. En tout cas, la musique est très sympa. Allez. Ah oui, là, je me suis carrément pris la porte. Je crois qu'il faut aller se mettre à gauche le plus tôt possible. Là, par contre, vous pouvez mettre ça dans les fails. Parce que, bah, concrètement, c'est un fail. Eh oui.
Au bout d'un moment, on va finir par couper, hein, si ça ne veut pas passer. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, tout. Remonte, remonte, ouais. Coupe, coupe, ça m'a l'air bon. Attendez, on va franchir la cinquième porte avant de dire n'importe quoi. Ok, maintenant, médaille comète, c'est récupéré. Voilà. Et on termine la course en 59 secondes et 75 centièmes. Bon, finalement, il y a eu, je crois, un essai de plus. Hein. Tu as bien plané, plané, plané. Mais Maraplane a l'air ravi. Yark! Tiens, cette étoile est pour toi, Yark. Merci beaucoup, merci, merci. Oh yeah! Tintin, tatatatin, tatatatin, tatatin. C'est pas la classe ça? Eh, c'est la classe ou c'est pas la classe ça, les gens? On est à combien d'étoiles? On en est à 78. C'est pas mal. C'est pas mal là. Ok. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Ok. Ok, très bien. Oh, qu'est-ce que t'as à dire, toi? Prends une pause, c'est ça? Non, je prends pas de pause, je t'emmerde. Par contre, oh, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre une pause. Non, je déconne, je vais arrêter l'épisode ici. Je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, n'hésitez pas à le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo. Ça fera toujours plaisir, si vous voulez laisser un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou à parler de la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit tout ça, vous le savez. La petite cloche pour une question, ça fait plaisir, les moments épiques, il est fait avec les hashtags associés. Vous connaissez la musique. Si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez faire un tour sur ma page YouTube dans la description, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Et en attendant, la comète chez Bowser dans le monde 4 avant de repartir vers le monde 5, je vous remercie encore mille fois de votre soutien. Ne changez pas et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.